Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, à vos souhaits. En grand fan de la série, je dois vous avouer que j'attendais cet épisode avec impatience, non seulement parce qu'il propose de découvrir l'arc scénaristique final de Naruto, mais aussi parce qu'il s'agit du dernier épisode qui sera réalisé par les studios CyberConnect. Sorte de baroud d'honneur, le jeu se devait d'être à la hauteur des attentes des fans. Alors autant vous le dire tout de suite, le jeu est une vraie réussite. Que ce soit du côté de son contenu, qui est juste colossal, ou même de celui du nombre de personnages présents, tout est là pour faire plaisir aux fans. Avec plus d'une centaine de personnages jouables, Naruto Ultimate Ninja Storm 4 met en effet la barre très haut. On note d'ailleurs la présence de certains personnages de la suite de Naruto, comme par exemple Sasuke adulte, ou encore Naruto adulte lui aussi, tous deux étant tirés du film The Last. Le mode histoire se découpe en une succession de combats complètement dantesques dans lesquels on va affronter des ennemis toujours plus puissants. En plus de revivre l'histoire du manga, le jeu propose également des types de combats différents. Cela va du beat'em all massif au combat de colosses légendaires. Et puis le jeu propose, comme à son habitude, des petites séquences faites de QTE. Vous savez, c'est les moments où vous devez appuyer sur la bonne touche au bon moment. Et il faut bien l'avouer ici, ces moments sont complètement jouissifs. Alors le seul gros point noir du mode histoire, ce sont les cinématiques qui sont faites avec des images superposées. Ça casse complètement le rythme du jeu, et puis c'est pas vraiment réussi. Non mais sérieusement, regardez, il y a quand même de quoi devenir épileptique au bout de 10 minutes à regarder ça. Après, heureusement pour nous, les développeurs ont quand même choisi de faire quelques cinématiques avec le moteur du jeu, et c'est tant mieux. Une fois que vous aurez fini le mode histoire, vous pourrez continuer avec le mode aventure, qui vous proposera de vous balader dans Konoha et ses environs afin de collecter des objets et revivre les combats qui ont fait l'histoire de la série. Ce mode donne la possibilité de collecter toute une série d'objets qui vous permettront d'acheter de nouvelles tenues pour vos personnages. Concernant les combats en eux-mêmes, il faut bien avouer qu'il n'y a pas eu d'amélioration majeure, mais notons tout de même l'arrivée des tenues qui subissent désormais des dégâts et qui s'abîment au fur et à mesure des combats. Mais aussi les fameuses attaques secrètes combinées, qui, si vous possédez des personnages complémentaires, déclenche une cinématique spéciale. Au final, Naruto Ultimate Ninja Storm 4 est un véritable concentré de bonnes intentions. Aussi agréable à jouer que fun, on peut dire sans détour qu'il s'agit du meilleur épisode à ce jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très vite pour un nouveau test sur All Brave.